Misère, il fait tard ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être quelque chose de désormais pas aussi longtemps. Moi, je n'y crois pas, ouais, c'est sûr. Et vous, docteur Ouglas, qu'est-ce que vous faites encore là? Oups, j'ai oublié de vous dire que je vous donne un petit peu des médicaments, mais bon. Bon, comme ça va être beaucoup mieux. Et puis voilà, c'est pas grave. Oh, je vous en veux pas. Je dois m'en aller. Passez une bonne soirée, maître Tigrou. Et soyez prudent à votre corps. Mon corps, qu'est-ce qu'il raconte? Être de fou, c'est pas aussi facile. Youhou! Tiens, votre majesté Elena, ça fait longtemps qu'on se voyait pas. C'est normal, j'étais partie se promener en train de arroser les plantes. Hop! Finalement, c'est pas aussi facile que les filles vont arriver. Pourquoi? Il y a quelque chose qui cloche? Non, pas du tout, Winnie. On verra peut-être plus tout savoir ce qui se passe. Oh, j'arrive pas à y croire. Pour Sydney. Ah, Tigrou, Bourriquet, Winnie, oh, je suis ravie de vous retrouver enfin. Ça fait si longtemps qu'on vous voyait pas. Oh, je suis en train de m'étourdir. Oh, Bourriquet, tu es enfin revenu. Oh, pour Sydney, je suis ravie de te revoir, notre chère amie. Oh, à vous aussi. Oh, waouh, c'est beau, mais... Oh, je suis trop contente de te revoir, votre chère personne. Waouh, c'est beau, l'amour. Stella! Désolée. T'es hors sujet, Stella. Bref, c'est beau, maître Tigrou. On a réussi à débarrasser de ces stupides matous. Par contre, les dinosaures de Erika... Ils ont réussi à donner leur super puissance de maximale. Waouh! Eh ben dis donc, je suis hyper content pour vous les filles. Ouais, et moi aussi en tout cas. On a bien réussi. J'ai pensé à autre chose, à la même chose. Comment ça se fait que vous connaissiez déjà Porcinet, Tigrou exactement? Je vous explique. Alors, nous sommes vraiment réunis dans la forêt des rêves bleus. J'ai rencontré d'abord Winnie, mon pote, que je les connaissais longtemps, ensuite Bourriquet, et tout à coup, j'ai rencontré aussi Porcinet. Et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés depuis le jour de la forêt des rêves bleus, et où Jean-Christophe, il était là. C'est qui, Jean-Christophe? Qui c'était? Un jeune homme super sympa. C'est un ami de vieux l'ourson. C'est beau, maître Tigrou, c'est moi qui dis. Mais tu sais, Jean-Christophe, c'est le meilleur. C'est mon meilleur pote que je connais depuis longtemps, qui est en train de jouer avec tous mes amis, surtout que voilà quoi. On va peut-être plutôt le souvenir extraordinaire de nos amis. Bonjour à vous. Venez avec nous. On a rendez-vous ensemble ici chez Winnie, dans la maison de Winnie l'ourson. On entend tout le temps des chansons. On aime le vieux Bourriquet, mais il est parfois inquiet. Merci d'avoir remarqué. Maître Hibou fait des discours que l'on ne comprend pas toujours. Eh bien, je me rappelle ma tante Mathilda du côté de mon oncle qui avait perdu sa hulotte et qui me disait... Si Coco Lapin fait son jardin, il carotte chez le voisin. Grand Gourou fait des pâtisseries que Petit Gourou engloutit. Devant la maison de Porcinet, on fait la danse du ballet. Oh, mais quelle corvée! Tigrou bondit un peu partout, sans jamais se casser le cou. C'est tigrement beau!
Et voici Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson, Winnie l'ourson, entouré de tous ses compagnons. Je suis Winnie l'ourson, Winnie, les filles, les garçons, l'ourson. Soyez tous les bienvenus dans cette maison. C'est tout petit, pourtant chez moi Winnie, je vous invite tous aujourd'hui. Je vous invite tous aujourd'hui. Bonjour à vous. Venez avec nous. On a rendez-vous ensemble ici chez Winnie, dans la maison de Winnie l'ourson. On entend tout le temps des chansons. Oh là là, quel beau souvenir! Ouais. Mais pourquoi j'ai dit merci d'avoir remarqué? Non mais c'est quoi ce délire? C'est pas un délire, Bourriquet. Tu nous as dit 10 millions de fois. Grâce à toi, tu me fais bien rigoler. Surtout moi aussi. C'était beau souvenir, c'était chouette. Eh ben moi, ça me fait vraiment du bien quand j'ai vu revu Coco Lapin. Maître Hibou, il y avait... oh là là, il y a même... zut, Maman Gourou et Petit Kougourou que tu connais bien, Maître Tigrou. Oui, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment le bien. Eh ben waouh, quelle belle histoire! Ça donne envie de pleurer. Oh Stella. Bon Maître Tigrou, merci beaucoup d'avoir nous entourir, entourir avec ton stupide histoire des aventures de Winnie. C'est bon, on connaît bien un peu votre histoire. C'est pas une histoire, c'est la réalité, Bloom. Comme tu es pas au courant, c'est bien aussi imagination. Oui, je pouvais dire. Bon. Bref, il est temps que vous rentrez. Rendez-vous dès demain. Oui, je pouvais dire. En route, téléportation, rentre chez nous. Bon, ils sont déjà partis. Oui, et moi aussi je rentre. Oreilles de lapin. Je rentre chez moi. Téléportation. À très vite, Maître Tigrou. À demain. Tigrou, est-ce que je peux dormir avec vous? Mais évidemment, Porcinet, tu es la bienvenue. Je te rappelle que tu es notre amie. Bien sûr qu'on connaît bien de l'histoire. Eh ben alors là, quelle histoire? Je n'étais pas au courant que vous vous connaissez très bien, vous quatre. Depuis quand? Winnie, tu connais bien ton histoire. Bien sûr, votre majesté... Enfin, Elena, bien sûr. Mais bon, ici on parlera ça dès demain. Je suis totalement épuisée. Moi aussi, et merci beaucoup d'avoir remarqué. Pouf! Et ben voilà, terminé. Enfin, une nouvelle mission terminée, accomplie. Oui, je pouvais dire, Courtney. Ouais, je pouvais dire, on n'en peut plus. Ça c'est sûr, je ne le dis pas. Oh, je suis... Aïe, totalement épuisée, je n'en peux plus. Ça, je te confirme, Stella. Je te confirme. Il est tard, il faut vraiment qu'on rentre. On sera beaucoup tranquille. Ouais. Comme si c'était fait, pas aussi dire. Oui. Enlève ma Et voilà, on est vraiment comme neuf. Bon, là on est vraiment super épuisé. Ça ne peut pas. Ouais, tu pouvais dire. Mais bon, en tout cas. Ouais. Enlève ma Waouh. J'ai un petit peu changé un peu le look, mais en tout cas, ça me va. Ah oui, tout à l'heure, c'était pas comme ça.
Non, mais en tout cas, j'aime bien ce tenue. Bref, Barbie, quand tu auras terminé tout ça, tu viens me... en privé, s'il te plaît. Juste pour parler, ça me... Ah, comme ça, vous m'avez réconcilié. Qu'est-ce qui s'était passé? Ah, voilà, moi, j'ai fermé ma bouche. Stella, occupe tes fesses. C'est moi qui gère. Enlève ma soeur. Bon, beaucoup mieux. Bon, tu viens, Tia, on va parler tous les deux. En privé, ce sera beaucoup mieux. Oh, c'est beau l'amour. Stella, ferme ta gueule. Pardon. Bref, Stella, occupe tes oignons. Bien dit, Barbie. Allez, on y va. Et moi, il faut absolument que j'attende Todd. Il va pas peut-être venir. Et nous, on sera beaucoup. Ouais, je te ferai dire. Enlève ma soeur. Et voilà, terminé. Eh ben, c'était long. C'est normal, vous n'êtes pas long pour être de re-téléporte. Enfin, bref. Ouais, c'est sûr. Bon, allez, bonne soirée, les filles. Rendez-vous demain. Ça, je te fais bien dire, Courtney. À demain, les filles. Oui. Bisous, les filles. À demain. Bisous. Ouais, moi aussi, je vais être rentrée. Mais bon, bref. Ils sont bien, en fait, tes cheveux. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, une petite tresse. Ça va peut-être un petit peu changer. Ouais, je te ferai dire. Bonne soirée, les filles. Bonne soirée. Bon, moi aussi, je vais rentrer. De toute façon, vous trois, j'ai l'impression que ça a l'air un petit peu... Oui, je te ferai lire. Ouais, bonne soirée. À demain. À demain. Bon, on va tout faire attendre que la garçon arrive. On serait pas... Ah oui, je te ferai lire. Jess, on voit que t'es bien arrivé. Ah, Todd, désolée les filles, je dois m'en aller. Ça, je te ferai dire, Jess, mais tu peux vraiment faire un peu pitié comme Stella. Hé, hey, pourquoi tu dis ça? Désolée, ça sortit un peu la tête. Oh, te voilà, mon amour. Ça, je te ferai dire qu'ils sont à l'air bien heureux, ces deux-là. Salut, Blue. Ah, Anthony, coucou. Je suis ravie de te voir. Salut, Stella. Ah, Ken, excuse-moi, j'ai failli dire Ken. Pas Todd, je veux dire. C'est pas grave, je t'en veux pas. Ah, enfin, tranquillité. Oh, d'accord Stella, mais tu dis n'importe quoi. Surtout que tu es bien avec ton chéri Ken, ça n'arrête pas. Oh, mais pourquoi tu dis ça? Oh, rien, juste pour faire un petit... Oh, tu t'es cassé la gueule Stella. Oui, désolée. Je suis prête maintenant.